Bonsoir. Quand on formule des vœux dans un cercle familial ou amical, ce sont tout naturellement les mots de santé, de prospérité qui viennent aux lèvres. L'exercice de ce soir est pour moi un peu différent. Aux personnes qui habitent le Var, je souhaite tout d'abord d'entamer la nouvelle année dans un esprit de confiance. Confiance en eux-mêmes, bien évidemment. Confiance dans leurs concitoyens, confiance dans les institutions. Vivre ici est une chance. Ne l'oublions pas. Le deuxième souhait que je formule pour les habitants du Var, c'est que l'année nouvelle se déroule pour eux avec un sentiment de tranquillité. Les services de l'État s'efforceront, comme ils l'ont fait l'an passé, de les préserver des diverses formes de délinquance, des conséquences des catastrophes naturelles et, plus généralement, des frictions que peut susciter la vie en société. Mais la tranquillité n'est pas tout. Les services de l'État doivent également s'attacher, et ils le feront en 2018, à la promotion des initiatives favorables au territoire, au développement de l'emploi et plus généralement à tout ce qui doit assurer la cohésion de notre territoire départemental. Le troisième souhait que je veux formuler ce soir devant vous, c'est que l'année nouvelle s'engage dans un esprit de solidarité. Cette solidarité, elle n'est pas contradictoire avec la tout à fait nécessaire responsabilité individuelle. Mais cette solidarité, elle est un facteur essentiel pour que nous évitions les fragmentations sociales ou territoriales, ces fragmentations, ces fractures qui, au fond, ne profitent à personne. Bonne année.